Alors, je suis Lily Chireux, je suis en Ariège présidente d'une association de consommateurs à vocation éducative. Ça s'appelle Association de défense, éducation et information du consommateur. Elle existe partout en France, mais moi je suis positionnée sur l'Ariège. Et en même temps, je suis vice-présidente du Centre technique régional de la consommation de Midi-Pyrénées et secrétaire du Centre technique régional de la consommation Occitanie. Les signes officiels de qualité représentent une garantie extrêmement importante pour le consommateur, puisqu'ils sont quand même le résultat d'un travail de longue haleine de tous les producteurs. Cela force le respect et en même temps, c'est un gage de sécurité et de qualité pour le consommateur. En général, ce sont des produits qui résultent d'une culture traditionnelle. C'est-à-dire les produits que l'on prépare à la maison avec des produits du terroir, ce qu'on retrouve dans les livres de recettes qui ont été faits par l'IRCALIM, ça fait déjà plusieurs années, et qui mettent en avant les produits, que ce soit des éleveurs, que ce soit des producteurs, donc fermiers. Et en tout cas, c'est chaque fois que ces produits sont cuisinés, on est sûr que la réussite est au bout. Il est difficile en Occitanie de choisir un lieu préféré pour les visites ou pour les vacances parce qu'il y a une telle richesse, que ce soit sur le plan historique, sur le plan de l'Antiquité, sur le plan de la préhistoire. Mais il faut bien se dire qu'au-delà de tout cela, dans l'Ariège, nous avons la chance d'avoir des sites préhistoriques comme la grotte du Mazazil, comme la grotte de Niou. On a l'histoire des Cathares avec le château de Montségur. Donc je vis en Ariège, donc évidemment que j'aime l'Ariège et que je la découvre à chaque fois, même si je la connais par cœur. Donc j'arrête là parce que je serai intéressante.